as rien à foutre, toi. Pardonne-moi, tout le monde applaudit, je danse, il se gratte les chouquets. T'étais trompé de spectacle. Pigalle, c'est plus haut, frangin. Il avait mis sa petite veste tranquille. Incognito, il me voit pas. Je te vois, frangin, je te jure. Même ton pote disait, arrête, arrête tes conneries. Vous avez vu, madame? Elle a l'air choquée. Oui, j'ai vu, tout à fait. Applaudis, frangin, le principe de cette soirée, c'est d'applaudir, me faire une belle fête, tu comprends? T'es timide? Mais t'es pas timide pour te gratter, par contre. Applaudis-moi juste pour voir si c'est applaudir. C'est de la merde, mais d'accord. Applaudissez tous en même temps pour voir si ça va donner. Quasiment Paris! Yes! Ça, c'est mortel! C'est formidable! Frangin, pardonne-moi de te prendre en partie. Tu t'appelles comment? Robert, j'en prends plein la gueule ce soir, Robert, c'est sûr. Avec ta coupe de Dick Rivers, là. Bonjour, c'est Robert. J'adore me gratter les chouquettes. Ça va, ma soeur? Tina Turner, c'est incroyable. T'as une touffe, la meuf derrière, elle est dégoûtée. Elle est comme ça, putain. Ça va bien se passer, en tout cas. Ça va, vous, là-haut, ça se passe bien? Eux, c'est important que je leur parle, c'est les demi-tarifs. Ils me voient que de profit pendant tout le spectacle. N'hésitez pas à cracher sur Robert s'il se gratte les chouquettes pour un enfant, moi, ce soir. Oh, une indienne. T'as pris une journée de congé pour venir me voir. C'est génial. C'est génial. Attends, il y en a deux. Oh, c'est un jour de chance. Soyez bienvenue. Vous t'appelles comment, frangin? Ricky? Personne n'y croit, ce prénom. Il t'appelle comment? Ashram Ricky. En tout cas, hey, merci du fond du cœur d'être venu, Ricky. Hein. Juste, s'il te plaît, il interdit de vendre des roses pendant le spectacle. C'est tout ce que je te demande. Robert, lève tes mains. Je t'en supplie, c'est important. Je vous regarde tous, hein, c'est la première fois que je vois. Il y a des Asiatiques ce soir? Où ça? Où là? Vas-y, fais un clin d'œil pour voir. Sérieux, je les respecte. Hein. Ils travaillent tous. T'as jamais vu un Asiatique à la NPE? Si une fois j'en ai vu un rentrer, j'ai dit eux. Il m'a fait non, c'est pour déconner. C'est vrai, t'es pas asiatique, si, t'es asiatique? Non, mais t'as un foulard, nom de Dieu! Mais c'est Diams! Diams, t'es venu! Sérieux? Alors, bientôt un album, Inch'Allah! Un Facebook, un livre, une dépression, qu'est-ce qu'il nous prépare, Diams? Très heureux, il y a plein de Diams ce soir! Robert, il a fait ça, oh mon Dieu! Donc vous l'avez compris, ce soir, toutes les communautés vont être à l'honneur. Oui, toutes les communautés. C'est pas un spectacle communautaire, c'est un spectacle sur la diversité. C'est un spectacle sur la France. Alors, peuple de France, est-ce que vous êtes chaud? Oui. Un maximum de bordel.
asiatiques, les chinois, les asiatiques, c'est pour vous. J'ai jamais vu de chinois danser de toute ma vie. Et je te jure, je sors souvent en boîte de nuit avec mon pote Chang. Allez Chang, vas-y, laisse-toi, viens danser. Il me dit non, je préfère rester assis, j'en ai mon ordi, à bonne connexion Wi-Fi. Bonne enfoiré. En tout cas, merci, merci du fond du cœur pour cet accueil. Merci vraiment et vraiment. Et je tenais vraiment à danser dès le départ de ce spectacle pour vous montrer à quel point j'étais heureux et surtout pour rendre un hommage à ma mère, parce que si je fais toutes ces danses et si je danse aussi bien, c'est grâce à elle. Voilà. Si on peut l'applaudir, c'est le seul moment du spectacle. Merci Marie. Merci du fond du cœur. Et top, ma mère, merci. Eh, hey, attention, hein, elle n'allait pas croire, par contre, que c'est ma mère qui m'a donné cours de danse, voilà. Parce que franchement, j'imagine mal ma mère nous réunir dans le salon, dire, vous êtes prêts, enfants? Allez, ouais, je, kata, step, step, step. Mais ce genou, serpillère. Non, ma mère, elle avait déjà le jeu de danse. C'est ça, même quand elle rigole, t'as l'impression qu'elle danse. On a la même mère. Ma mère, elle était en avance sur la danse. Déjà petit, quand je demandais de l'argent, elle faisait des mix entre la tectonique et le dab. Maman, t'auras pas un peu d'argent? J'ai rien du tout. Demande à ton père, Foucault, dégage, va là-bas. Même parfois, elle s'est mise au hip-hop. Tu t'es fait mal? Bien fait pour toi, chien, voilà. Hein. Ma mère adore la danse, surtout les mariages. Hey, dès qu'il y a un mariage, ma mère, elle perd pas de temps mort. Elle se met à danser frénétiquement toute la soirée, tu sais. Les gens sont souvent surpris. Excusez-moi, vous connaissez la mariée? Je connais personne, j'ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. En plus, ma mère, quand elle va à un mariage, elle met tous ses bijoux, tout ce qu'elle a. Hein. Gourmet en or, collier en or, ceinture en or. Quand elle rentre, c'est plus une mère, c'est un chevalier du Zodiac. Ma mère, elle est gentille, adorable, mais quand elle danse, une grande vanneuse. Ça va, Khadija, t'es jolie. On dirait un cupcake, sa gueule. Fatima, t'as maigri! Ne retourne pas, on dirait une bouteille de gaz. Ça va, c'est ton mari? Hein, voilà pour lui, voilà. Hein, voilà, rien à foutre de cette connasse. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Regarde celle-là, regarde pourquoi elle danse comme ça. Ramène-moi le foulard, il y a un défi. Ramène le foulard, ramène, je vais la mettre à la main. Donne, ça passe pas. Ramène un rideau de line-up, ramène le. Chez nous, ça danse de partout. Tenez, par exemple, tout le monde pleure la mort de Michael Jackson. Dites, oh, je regrette les chorégraphies de Michael Jackson, on ne les reverra plus jamais. Faux! Si vous voulez revoir les chorégraphies de Michael Jackson, venez chez moi. Venez voir mon père quand il rentre énervé. T'as l'impression d'avoir Michael Jackson du Maghreb. C'est la boucle. Viens ici. M'énerve pas. Où est ta mère? Ma mère, quand elle sait que mon père le cherche, on dirait Thriller. Maman, papa te cherche! Ok, les filles, là, je vous laisse. Parce que là, il va me tuer, lui, là-bas, là. Et chez moi, ça danse de 7 à 77 ans. Même ma grand-mère est une grande danseuse. Oui, ma grand-mère. Et pourtant, elle est vieille, ma grand-mère. Je sais pas son âge. Elle non plus, d'ailleurs. Faudrait passer au carbone 14, ma grand-mère, pour savoir son âge. Pour que vous la visualisez, ma grand-mère est tout le temps habillée de la même manière. Foulard sur la tête, plein de dents en or, plein de tatouages sur le visage. Quand elle rentre dans une pièce, on dirait Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes. En plus, c'est ma grand-mère, elle a plein de tics. T'as toujours l'impression qu'elle mène une enquête. Lève les mains, Robert. Ah, Robert. Ma grand-mère, elle adore danser. Mais c'est qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle a des seins, des bzèzes. C'est pas, il tombe. Il coule jusqu'à ses chevilles. Hey, quand elle danse, elle assomme tout le monde. Je te jure, c'est même une arme de self-défense. Une fois, je l'ai vu tuer un rat. Oh mon Dieu, un rat. Bouge pas. Pas. Elle est mort. Une fois, il y a un mec qui l'a volé sur sa caméra, il s'est mis à courir. J'ai dit, grand-mère, elle m'a dit, t'inquiète. Oh mon Dieu. Même une fois, je l'ai prise à l'arrière de mon scooter, j'étais à fond comme ça, j'ai dit, doucement. Elle était incroyable. Et puis, elle mettait tout dans ses seins, tout, portefeuille, porte-monnaie, portable, elle mettait tout à l'intérieur. C'est quoi? Un appel en absence, je réponds pas. Des fois, elle retrouvait des trucs qu'elle avait perdu depuis des semaines. Les enfants, j'ai retrouvé le chocolat. Elle était incroyable, ma grand-mère. Elle était formidable. Je parle d'elle au passé parce que malheureusement, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Qu'est-ce qu'elle me manque? Et puis, il faut savoir une chose, elle venait souvent en France et puis elle aimait vivre en France, tu vois. Et puis, elle était tellement aimée qu'elle a essayé de s'intégrer, elle a essayé de parler le français, mais pour ça, on l'a vite arrêté. Une fois, par exemple, elle s'est fait très très mal au pied comme ça, s'est mise à boiter comme ça, elle nous a regardé, elle dit, c'est sûr, vous allez me ramener chez le pédophile, hein. Ma mère dit, accompagne-la, traduis-la, cette marave, des problèmes, traduis-la, je t'en supplie.
Et je vous jure, c'est ce que je faisais toute mon enfance. Je l'accompagnais, je lui traduisais. Et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter ce soir, Paris. Une fois, je l'accompagnais chez le médecin. Véridique, je l'accompagnais chez le médecin. Et le médecin, il s'oublie. Il oublie que c'est ma grand-mère qui vient du bled, tu sais. Il me regarde, et puis il regarde la feuille de sang. Il fait bon, d'après les résultats, je pense qu'on va faire une coloscopie. Expliquez-lui. Moi, j'explique rien du tout, moi. Elle est venue pour un mal de gorge, ma grand-mère. Oui, mais là, faut faire une coloscopie. Explique-lui. Je n'explique rien du tout. Ma grand-mère, elle a compris qu'il se passait un truc. Elle s'est mise en mode enquête. Mais ça ne t'aurait pas coloscopie, je dis rien du tout. Elle a sorti son sein, elle m'a dit dis-moi. Dis-moi tout de suite. Elle dit voilà, vous prenez une caméra, la mettre dans ta cocotte minute pour vérifier. Elle m'a dit pousse-toi, personne rentre à l'intérieur, personne rentre. Elle était paniquée parce qu'elle est la seule caméra qu'elle connaissait dans sa vie. C'est les grosses caméras VHS dans les mariages, tu sais. Elle pensait qu'il y avait un caméraman qui allait rentrer à l'intérieur. C'est ici, BFM TV, en direct du cul de la grand-mère. À vous les studios. Elle m'a posé plein de questions, elle m'a dit mais la caméra elle rentre avec un pied ou sans le pied? Je dis sans le pied! Elle m'a dit ça va, Inch'Allah, ça peut passer alors. S'il vous plaît, à l'intérieur, pas de photo, pas de divi, que ça reste entre nous. On l'a ramené à l'hôpital, le médecin urgentiste nous accueille, vous inquiétez pas. On voit de l'oxygène et du gaz, et au bout de 5 secondes, attends, 5 secondes, une demi-heure plus tard, elle fume l'oxygène comme chicha. J'adore ce parfum! Elle était défoncée, tellement défoncée, elle tournait ses seins dans tout l'hôpital comme ça. Ma mère qui range tes seins, dis non, ils veulent rentrer dans mon cul, oh! Elle est partie réveiller des mecs dans le coma. Réveillez-vous! Elle va vous mettre des caméras dans le cul, merde! Elle était folle, ma grand-mère. Ma grand-mère. Vous savez qu'à son âge, elle me frappait, ma grand-mère. Elle me frappait, elle me coursait dans toute la maison. Elle me coursait à son âge. Et en même temps qu'elle me coursait, elle rangeait les affaires. Attention, viens là. Famille, je te jure. De toute façon, ma grand-mère qui me frappait à son âge. Hey, je vais pas vous mentir. Chez moi, au niveau éducation. C'est pas j'ai eu une éducation là dure. Ah non, mon père il m'a battu. Hein. Ah mon père. Ah dès qu'il pouvait m'en mettre une. Des fois il rentrait. John, t'as fait une bêtise? Non. Voilà, c'est dommage. Je te jure. Des fois il rentrait et puis. Bam. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est préventif. Ah bon. Mon père m'a éduqué à la dure. Je disais, mais tu peux pas m'éduquer comme ça qu'avec des coups. Il me dit, si, l'éducation, ça passe mieux par les mains. Et pour ça, il y a deux grandes écoles. Il y a la East Coast et la West Coast. Et si ça suffit pas, il reste 50 cents. Et quand j'ai dit à une copine que mon père me frappait à la ceinture, elle me dit, waouh, génial, la ceinture. Il y a quelque chose de sensuel. Sensuel? Elle s'imaginait quoi? Mon père en gel là-bas en cuir, avec des bottes en cuir, en train de me fouetter dans le salon. Psh, psh, ah, il va pas, arrête. Arrête, vraiment. T'es trop coquin ce soir. Ne touche pas. Va la gratter, je t'en supplie. Gratte-la comme là. Ça... Mon père. Mais le couple le plus bizarre, quoi, mes parents. J'aime mes parents. Mais je les regardais, je me disais, mais comment ils ont fait pour se pécho? Ils vont pas du tout ensemble. Ma mère, c'est une boule, mon père, c'est une tige. Qui a pécho l'autre déjà de... J'ai pas peur, j'ai pas honte de vous dire ça, c'est la vérité. Tu sais, quand je voyais mes parents, je les ai jamais vus comme tous les autres couples. Se balader, main dans la main, aller au restaurant, non. Quand ils marchaient, mon père était à 40 mètres devant. Ma mère, 40 mètres derrière, en filature toute sa vie. Mon père disait, attention, je m'arrête. Ok, warning. T'as envie de savoir, toi, quand tu vois tes parents. T'as envie de leur dire, mais comment vous avez fait pour vous pécho? Mais c'est un peu la chouma, j'ai de dire ça, tu vois. Mais une fois, j'ai été voir mon père. J'ai dit, papa, au niveau de oh, au niveau de quoi? Dis-moi un niveau, je te mets un niveau. Un niveau, il y a un marteau, il y a un niveau. Il y a la caisse à outils. Je dis non, mais voilà, papa, enfin voilà. Je me posais la question au niveau de toi et maman. Comment t'as fait pour. Quoi? La séduire, c'est ça? Ouais. Oh, c'est si normal. J'étais le plus beau gosse de tout le village. Hein? Oui, c'était moi le plus beau gosse. Mais dans ton village, il y avait des chèvres. Justement, c'est pour ça. Mon père, il est. J'ai vu ses photos et encore aujourd'hui, il est moche. Non, c'est mon père.
Avec tous les coups que j'ai reçus, je peux dire qu'il est moche. C'est mon propre père, oh. Sérieux, toi t'es asiatique, il va te débrider les yeux. Oh, oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. 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 Sérieux, il est incroyable. Sérieux, il est moche, même de dos il est moche. Moi j'ai été voir ma mère quand j'ai dit une fois, j'ai pris mon courage de main, j'ai dit maman s'il te plaît, raconte-moi cette belle histoire d'amour entre toi et papa, cette rencontre. Elle m'a dit, hey, y a pas d'histoire d'amour, hein. Ton père l'est venu avec une chèvre, elle l'a donné à ma mère, je suis reparti avec lui, voilà. Moi quand j'ai vu ton père pour la première fois, je fais oui, qu'est-ce qu'il est moche. Tu rigoles bien, moi je t'aime pas. Lui m'a dit c'est pas grave, on se marie, l'amour viendra après. J'attends toujours. Mon père, lui, il était fou amoureux de ma mère, tellement fou amoureux de ma mère, que quand il partait le matin au travail, il regardait ma mère comme une fleur, il disait, bon, ma chérie, ma petite fleur d'amour, je vais au travail, à tout à l'heure, ma petite chérie, tu vas me manquer. Ma mère disait, Inch'Allah, tu crèves sur la route. Il y a une voiture qui t'écrase, il y a Robert, il va te gratter, Inch'Allah, avec ta gueule, là. Qu'est-ce qu'il est moche. Crève avec ta gueule. Inch'Allah, tu croises Nabila, elle va te mettre des coups de couteau, elle va te crever de ta gueule, là. Il est moche. Même la chèvre était plus belle que lui, crève. L'autre fois on a été au zoo, le lion quand il l'a vu, il fait miaou, miaou, avec sa gueule là. Il est moche. Il est moche avec sa gueule, on dirait un panini écrasé. Aïe, aïe, aïe. Tous les gens disent, hey, mais tous les miroirs ils sont en panne dans cette maison, c'est ta gueule qui les met en panne. Crève, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Le tagine, il y a un goût bizarre. Finis-le. Finis-le. Tu saignes du nez, c'est rien, c'est rien. Ah, fini, ah, mange. Mange. J'ai mis du cyanure de la morora, Inch'Allah, il va crever. Hier, il prenait un bain, j'ai pris un sèche-cheveux, je l'ai branché, j'ai dit, mais ah, c'est quoi? J'ai dit, c'est un nouveau jacuzzi. Une fois, je l'ai même soupé avec une pince, une scie à métaux d'or. J'ai dit, tu fais quoi, maman? Elle m'a dit, je vais refaire les freins de la voiture de ton père, je reviens. Il va crever, Inch'Allah, faut qu'il crève. Pareil, il était très important que dès le départ de ce spectacle que je vous présente ma famille pour que vous sachiez pourquoi je suis aussi fou et aussi speed. Et que vous sachiez aussi que dès le départ que mes origines sont maghrébines et non pas portugaises. Voilà, ça c'était important. Attention, hey, je le vois, les Portugais là-bas, ils sont dégoûtés. Ouh, il n'est pas portugais. Ah bah ça, ça me dégoûte. Alors là, c'est une goutte strouf. Attention, hein. Eh, tout le monde pense que je suis portugais et je vais vous dire une chose, eh ben ça me gêne pas. Et même ça me rend même plutôt fier parce que moi je. Merci mon frère. Merci. Merci à toi. Mais je veux dire, ça me rend fier parce qu'en fait, je partage vos valeurs. Votre sens de la famille, votre sens du travail, votre sens du sacrifice. Eh ben, si j'avais été portugais, ça aurait été avec une immense joie, un immense honneur. Voilà. Bienvenue. Bon. Par contre, si j'avais été portugais, je serais quand même resté musulman. Voilà, pour des problèmes de sécurité. Voilà, un musulman portugais, en fait. Je sais, ça fait peur. T'imagines, toi, un musulman portugais? Eh, salam alaikum, José, ça va? Alaikum salam, mashallah. Ça y est, je l'ai fait, je suis musulman, je l'ai fait, je l'ai fait. Le circoncision, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait moi-même. Eh ben, j'ai pris une trouelle, flac, flac, allez, hop, on va. Pas de problème, là. Non, je mange plus de cochon, terminé le cochon. Maintenant, je mange plus de tujine, de tujine. Mais attention, hein, de tujine, bacayan, faut pas déconner comme on va parler. Oui, bien sûr, je fais le prière. Non, pas en direction de la Mecque, en direction de Castorama. C'est normal, c'est normal. Merci, Alhamdulillah, bismillah. Tu fais quoi, tu fais ta prière? Non. Je regarde le carrelage, j'avais pas bien fini. C'est ma vanne préférée. Bon, hé, John, je te laisse parce que demain, je le fête de musulman, le Ramadan. Le quoi? Le Ramadan. Le quoi? Le Ramadan, caray. Ah, tu veux dire le Ramadan? Mais ouais, mashallah, le Ramadan, caray, oh là là. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Ramadan, c'est une petite fête chez nous qui dure 30 jours. Et le principe de cette fête, on mange pas et on boit pas. Voilà la fête. On s'éclate. Bravo l'organisation. Voilà, vous à Pâques, vous avez du chocolat et nous c'est crème. On vous fait croire pendant un mois qu'on est cool, c'est faux, on a la dalle.
On a tellement la dalle qu'on cherche des trucs dans la veille dans notre bouche. Un petit morceau de quelque chose. Hey, dès qu'il pleut dehors, on est tous dehors. Ah, il pleut. Une fois pendant moi le ramadan, j'ai collé un timbre. J'ai vu qu'il y avait un goût sucré, j'ai que tous les timbres. T'es tellement faible que la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est qu'un moustique te pique. Tu retires un millilitre de sang, tu tombes dans les vapes. Une fois, ma soeur m'a porté à mon dieu. Oh mon dieu, tu veux que j'appelle le SAMU? J'appelle plutôt Pizza Hut, pour le SAMU, je crève la dalle. T'es pas bien, t'arrives plus à te contrôler. Sérieux? Hey, tu marches dans la rue, tu passes devant un kebab, le seul truc qui te vient à l'esprit, c'est de te coller à l'avion. Ah, c'est ma meuf. Y'a même des endroits qui devraient être interdits pour nous. Rentrer dans une boulangerie, mais c'est comme si on rentrait dans une boîte à striptease. On regarde les pâtisseries comme des sadiques. La boulangère a fait « Bonjour, je peux vous renseigner ?» Rien à foutre de ta gueule. S'il te plaît, tourne le pain au chocolat, tourne. Mets la barre de chocolat, oh là là. Il y en a deux, oh là là. Oh, le chausson en pomme, il s'est ouvert, oh là là. On n'est pas bien, hein. Il y a plein de potes à moi qui disent « Oui, mais John, c'est bizarre. » Parce que pendant le mois du ramadan, on ne voit jamais, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites. Justement, notre grand secret, on est tous à Carrefour, Auchan, Leclerc. Qu'est-ce qu'on fait? On erre comme des fantômes. On dirait Walking Dead. Tu croises des potes à toi qui prennent des photos avec des pots de Nutella. Vas-y, vas-y. Une fois, j'ai croisé un pote à moi, il était au rayon jus d'orange, le mec, il bloquait tout seul. J'ai dit, tu fais quoi? Hein? Il m'a dit, j'hésite. Entre deux jus d'orange, celui-ci avec de la pulpe, celui-ci sans pulpe. Et alors, ben, je sais pas lequel choisir. Il est quelle heure là? Il est 11h, j'ai jusqu'à 21h, j'ai rien à foutre. Mais le pire en fait, c'est pas manger, pas boire, ça c'est habitué. Non, le pire pour nous, c'est qu'on pue de la gueule quoi. Non, ne rigole pas d'ici, je t'aurais pété ton brochet, je te dis sincèrement. Ah non, on a une haleine, c'est une agression hein. Eh, c'est la ligne 13 qui sort de ta bouche. Ah, des trucs bizarres. Même ta brosse à dents veut pas rentrer. Oh non! Et ça, tu vois que tu pues de la gueule parce que tu perds beaucoup d'amis à toi pendant le mois du ramadan. Tu sais, quand tu les croises dans la rue, ils sont là. Salut, John, ça va? Ça va, Guillaume? Alors que bizarrement, deux personnes qui font le ramadan, lorsqu'ils se parlent normalement. Non, il n'y a aucun souci entre nous. À croire que quand l'odeur numéro 1 et l'odeur numéro 2 se croisent, l'odeur s'annule, quoi. Il y a l'annulation d'odeur. À croire que la première odeur, elle fait. L'autre fait. Toi-même. Hey, je peux de la gueule comme toi, mon frère. Hein. Kalachnikov dans ma bouche. Hein. Ah ouais, c'est des flammes qui sortent de ma bouche. Hein. Reste pas à côté. Hein. Ah, je te préviens, sinon, crème brûlée. En tout cas, Casino de Paris, je voulais vous dire ma fierté et ma joie de vous voir rire là-dessus. Parce que je sais très bien que pour la grande majorité d'entre vous, vous ne faites pas le ramadan. Et vous voir rire, ça me fait chaud au cœur. Je m'explique parce que dès le départ de ce spectacle, il y a des bien-pensants, il y a des donneurs de leçons qui sont venus voir. Surtout, Jal, tu fais très attention. Il y a des sujets que tu dois éviter en ce moment. Ah bon, comme quoi? Bah, comme vous, quoi. Comment ça? Bah, les vous, là, les vous de qui? De vous qui? Mais de quoi tu parles? Bah, vous, les musulmans. Bah, vous faites peur, on a peur. Ah, heck. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que tu dis musulman égale terroriste, faut arrêter avec les amalgames. Vraiment, moi, je vais vous rassurer, si j'avais été terroriste, j'aurais été le terroriste le plus pourri de la Terre, c'est sûr certain, hein. Je vous le dis franchement. Bon, déjà, c'est parti, c'est le grand jour, on va se faire kamikaze. Alors, tu te sens comment? Bon, allez-y, je vous rejoins, allez-y, allez-y. Mais non, j'ai un point de côté, là. Hein? Ouais, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez mourir, vous vous retrouvez là-haut? Ouais, je vais rester un peu en bas, moi, allez-y. Dans le monde, c'est nous, quoi. Ah, bah les terroristes, bah oui, c'est ça, les musulmans, tout à fait. Le problème dans le monde, ce sont les musulmans, bah bien sûr. Le trou de la couche de zone, c'est les musulmans, bien sûr. Bah bien sûr, quand ils pètent. Sérieusement. Elle a rien à voir là-dedans, la religion. Sérieux. Sérieux, elle a rien à voir, c'est un prétexte. Ils se servent de ça comme alibi. Ils sont juste fous, ces mecs-là. Ils sont pas bien dans leur tête. Sérieusement. Et puis, s'ils sont pas contents, tous ces mecs-là, qui se réunissent entre eux? Tu sais, je sais pas, et puis ils se font péter entre eux. Ça va pas, ouais, ça va pas. Tu vois, Manu, ouais.
C'est même s'ils veulent, ils se font un Club Med. Voilà, un Club Med pour terroristes. Tous les Al-Qaïda, les Daesh, les Salamèches, ou j'en sais rien. T'imagines, toi, un Club Med pour terroristes avec le géo qui t'a caillé. Bip, bip, handoullah. Achik, 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 Allahu Akbar. Parce qu'on est serré au fond de ce tagine. Ouais, ouais, ouais. Y'a des fatwas et des burkas, là, il est là. Je vais arrêter mes conneries là. Je sens que je suis en train de vous perdre. Au voile, au voile masqué. En tout cas, je voulais en rire avec vous ce soir. Et puis voilà, je veux pas ni me moquer de ma religion, ni d'aucune religion. Je respecte trop les religions. Et puis voilà, moi je suis musulman. Et puis la vérité, ça me regarde en fait. La religion, c'est quelque chose de personnel. Et c'est mes parents qui m'ont inculqué cette religion. Et ils m'ont dit dès le départ, fais très attention. Parce que ta religion, avant tout, c'est une religion de paix, d'amour et de partage. Et c'est ce que j'étais venu partager avec vous ce soir. Voilà. Merci. Hey, on s'en colle, sérieusement. Sois juif, chrétien, bouddhiste, raélien, je m'en fous. Oh, moi, je suis prêt à défendre n'importe qui. Bon, sauf les athées. Non, sérieux, les mecs, faites un choix. Oh. Hey, tu crois en quoi, Pikachu? Ce soir, on a Teddy Riner. Teddy Riner. Champion du monde, champion olympique, champion. Champion de l'univers. Ils se retournent tous. Ah oui, il est là-bas. Ah ouais. Oh, le, tu vois pas, il y a que lui. Tu crois que c'est un poteau? C'est lui, le poteau. Le mec, il est costaud. 14 juillet, c'est toi qui dois faire défiler. Pas l'armée. Bonjour, c'est moi, bravo. T'inquiète, on est là. Teddy Riner. Le jour de sa naissance, il avait la taille d'un enfant de 18 ans. Bonjour, bah, à la maison. Le jour où il est né, la Guadeloupe, elle a penché. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou! Moi j'imagine, à chaque fois que je regarde ses combats, je regarde ses adversaires. T'as vu, j'ai appelé. Comment tu peux le combattre? Sérieux? J'ai jamais vu. Fais un jour un combat avec un Marocain, un judoka. Voilà, ça y est, je suis prêt. La ceinture, ceinture de cuir, t'inquiète pas. Il est où? Ah, c'est lui. Hop là, oh, c'est bon. Ça va, ça va. Ramène la voiture, ramène la voiture. Ramène la voiture, ils sont plusieurs. Ramène la voiture, je t'ai dit. Attention, je vois plus rien, je vois plus rien. Ça y est, c'est fini. Teddy Riner. Sérieux, les mecs, moi j'abandonne. Je jette la ceinture, je jette le kimono. J'ai dit, t'es malade, oh. Venez, on y va tous, mais pas tout seul. Le mieux c'est pas. Mais moi j'ai très peur, tu sais, quand ces combats ils durent longtemps, qu'il y a ton côté entier qui ressorte. Tu vois ce que je veux dire, le mec il tire par le kimono, tu chopes bien. Oh, zuké. T'es similaire, mais que fais-tu? Hein? Zuk judoka. J'aimerais bien qu'il y ait un président antillais un jour. Chers compatriotes, moi Jean-Baptiste Christopher, j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles. Mon programme sera. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, mon frère, mon frère. Bon appétit, mon frère. Hein, on peut reprendre le spectacle. En tout cas, j'espère que ça va bouger et que surtout, ce qu'ils vont faire des efforts, c'est sur la crise. On a besoin du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est important. Moi, j'ai vécu dans une famille de crevards, surtout mon père. Il n'y avait pas plus crevard que mon père, je te jure. Des fois, il nous amenait au McDonald's. Quand il arrive devant la caisse, quoi? 42,50 €. Voilà, 10 euros, on parle plus, madame. Voilà. Et moi, il m'a appris ça. Hein. Je te jure, maintenant, je négocie. Moi, je négocie, j'ai pas peur. Hein. Vraiment, vraiment, je négocie dans toutes les boutiques. Même dans ma boutique préférée, c'est, j'aime bien Footlockers. Vous connaissez Footlockers? Je peux vous poser une question entre nous comme ça, Paris,
Pourquoi les vendeurs, ils ont des maillots d'arbitre? À quoi ça sert? Non, sérieusement, est-ce qu'un jour il va te sortir un sifflet? Chut, tu sors, pourquoi? Tu pues des pieds, changement. Quoi ça sert? Sérieusement? Moi, mon boutique préférée, je vais vous en parler, c'est chez Zara. Vous connaissez chez Zara? Hey, on est d'accord que les vêtements sont plutôt classe, à la mode, pas cher. Même les vendeurs sont plutôt classe. Gominés, costard cravate. Mais c'est quand ils parlent que tu sens qu'ils sont teubés. T'as l'impression qu'ils ont un baccalauréat dans leur tête. Et une fois véridique, j'étais voir un vendeur, j'ai dit, excusez-moi, les t-shirts d'été, ça se trouve où? Il m'a regardé, bah, Orient t-shirt d'été. Mais le vendeur le plus extraordinaire que j'ai eu à Paris, je vous en parlais, c'est un vendeur sud-américain. Je sais pas si j'ai déjà parlé à un sud-américain, mais c'est exceptionnel. Eh, le mec, il me parlait, saignait des oreilles tellement je comprenais rien. Il est arrivé vers moi, très enthousiaste, je vais vous le refaire. Il m'a regardé, il m'a dit, bonjour, bonjour, bienvenue chez Zara. Aujourd'hui, nous avons des jolies promotions sur les poules. De quoi, des poules? Il y a des poules. Des poules, poules, poules? Non, les poules que tu mets avec les yomis. Il y a des poules jaunes, des poules bleues. Il y a aussi des jolies promotions sur les yoyu. Les quoi? Les yoyu. Mais c'est quoi les yoyu? Les yoyu que tu mets avec les yoyettes. Yo, m'excuse, hein. Moi, je parle pas bien français, parce que je viens d'Amérique du Sud. Il y a fou la dictature. Là-bas, c'est ça que tu tues tous les you. Tous les quoi? Tous les you. Lundi, mardi, mercredi, lundi. Bon, moi, il n'y a pas d'ailleurs pour venir en France, c'est ce qu'il y a fait. Il a pris de la cocaïne, il l'a mis dans mon ventre, voilà. Il était une moule. Comment les femmes rentrer? Non, ça, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Mais tout ce que je dis, quand il est rentré, il a crié. Il a beaucoup crié. Bon, moi, il y avait la cocaïne dans mon ventre, j'avais peur que ça explose dans l'aéroport. Alors, j'ai marché comme ça. Le donné m'a dit, pourquoi tu marches comme ça? Il dit, non, il y a mis le salsa, voilà, c'est pour ça. Il a marché. Et là, quelqu'un m'a bousculé, là, pa! La cocaïne a pété. Yo, man! Mais il me sentait bien. Je sais pas pourquoi il commence à marcher comme ça. Là, il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un cheval, laissez-moi tranquille. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais non, t'es un être humain. Pff, maintenant, je suis un lama, voilà. Il y a un policier qui m'a vu, il m'a dit, hé, hey, viens ici. Il dit, non, viens-toi. Il m'a dit, viens ici. Non, je suis un crabe, regarde. Il m'a dit, viens ici maintenant. Il dit, non, maintenant, je suis caché. Il m'a dit, mais moi, je te vois. Mais moi, je te vois pas. Quand j'ai ouvert les yeux, le chef de la police est arrivé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et là, je l'ai touché. Il m'a dit, pourquoi tu m'as touché? Je lui ai dit, parce que c'est toi le chat. Voilà, écoute. Il était bien avec la cocaïne. Bienvenue les douaniers, bonjour, Chavi, tout le monde est cool. Allez. Tout le monde me courait après, les douaniers, les policiers, qu'est-ce qu'il y a fait? Je me suis caché dans un avion. Et là, quand j'ai vu le cockpit avec la cocaïne, je me suis dit, il n'y a pas piloté. Non, il y a mes pilotés, mais la cocaïne me dit tout pou. Bien sûr, j'ai prévenu les passagers. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avion. La température extérieure est de... Ça va, il fait chaud, ça va aller. Là, il est démarré et il est roulé. Il est roulé, les passagers m'ont dit, on va décoller. Non, 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 il y a un raccourci par là, c'est mieux. Après, il a appuyé sur un bouton, là, il a décollé tout seul, il était content. Mais là, là, qu'est-ce qui est passé? L'hôtesse d'aller rentrer en panique, il m'a dit, mon Dieu, capitaine, mon Dieu, il y a un problème, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, voilà, il y a une dame qui est enceinte, qui va accoucher, mais il n'y a pas de docteur dans l'avion. Je suis docteur avec la cocaïne, toi, docteur. Il y a eu la dame qui criait, il dit, madame, vous inquiétez pas, je suis là maintenant. Il avait sorti le petit, oui, je suis commandant de bord, dentiste, carreleur, il peut tout faire, madame. Vous inquiétez pas, écartez les jambes au maximum, mettez les jambes derrière la tête si vous pouvez. Madame, je vais vous donner un signal, quand vous dites poussez, vous poussez, il attrape le petit, d'accord? Allez-y, madame, je me baisse, madame. Allez-y maintenant, poussez, poussez, madame, poussez. Et là, il a entendu. Attendez, madame. Excusez-moi. Vous avez pété? Elle me dit non. J'ai dit parce que ici ça boue. Madame, arrêtez. Arrêtez. J'arrive pas à me retenir. Mais moi, je vais pas tenir non plus. Madame, arrêtez. Mais vous m'avez dit de pousser. Je vous ai dit de pousser. Mais vous êtes trompé de trou. Les passagers criaient, ça pousse, c'est pas moi, c'est la dame qui a pété. Même le petit, il est sorti, il a senti, il a dit non, il ne peut pas, il est rentré. Là, il y a une idée incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a ouvert la porte de derrière pour errer, et là, je ne sais pas pourquoi tous les passagers sont sortis. Même la dame est partie avec les jambes écartées comme ça, elle dit comme ça, tu as pété dehors. Elle pouait, ma brûlée le visage.
Il dit peut-être elle a mangé chili con carne, je sais pas. Non, c'est pas normal, moi je vais l'aider, mais on pète comme ça, moi aussi je vais péter cocaïne, tu vas voir. Je vais péter comme ça. J'ai dit peut-être faire ramadan du cou, c'est pas possible. Ah non, je veux dire quand t'es dans l'ascenseur, tu vas péter, tu te retiens. Bon, quand tu connais, tu partages. Mais là, il la connaissait pas. Hein. Ah, moi, il était triste. Hein. Parce qu'il était tout seul dans l'avion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon élan, là, il a couru et il a sauté. Voilà. Et il a volé. Oui, avec la cocaïne, tu peux voler. Là, il y a un oiseau qui m'a regardé comme ça, j'ai dit quoi? Il m'a dit non, rien comme ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit prends l'air, ça pue là-haut. Il m'a dit tu sais parler l'oiseau? Je dis que la cocaïne, tu peux parler avec n'importe qui. Il m'a dit, t'as vu, il y avait une dame qui volait avec les jambes écartées. Mais fais-toi le pou! Elle va te péter tout, tu vas ressembler à un poulet rôti. J'ai dit, toi, tu vas où? Il m'a dit, là, il va à Paris. Il dit, ah bon? Moi aussi, il va à Paris. Il m'a dit, si tu veux, on peut faire le chemin ensemble. On a traversé l'Atlantique, la France, il a vu la Tour Eiffel. Là, il a atterri sur Paris. Et là, mesdames et messieurs, il a travaillé chez Zara. Paris, ça va toujours! Incroyable, incroyable. Hey, est-ce qu'il y a des gens de province ce soir? Les gens de la province? Réveillez-vous. Toi, t'as envie de parler aujourd'hui, t'as pas... Ben, mets-toi en mode avion, tiens, comme ça. Bouge plus. Il y a des gens de province plus tard, non? Ah, d'accord. Bonjour, madame. Vous êtes d'où? Ça va? De Nice? Oh, génial. Et vous êtes venu spécialement pour moi? Oui. Sérieux? Oui. Mais elle est pourrie, ta vie. T'y attendais pas celle-là. C'est formidable, c'est formidable. Y'a d'autres gens, y'a d'autres gens d'ailleurs, non, de province. D'où madame, bonjour. Évreux? Évreux, c'est la province? Évreux, c'est la province? Tout ça, tu m'as fait venir jusqu'à là pour que tu me dises un mot. Crève une charlotte. Évreux, c'est à côté, ça a une heure. C'est Porte-la-Chapelle, porte de Bagnolet en pantin de bouchon. Évreux. Genre, t'es parti vendredi, on va au Paris. On sait jamais, on se perd. Hein. On dort sur l'autoroute, on fait quelque chose. Évreux, c'est à côté. Nice, je veux bien que galère, mais toi. En fait, j'aime les gens de province. C'est pour ça. On est charriés comme ça. Mais tu vois, ils sont courtois, ils sont cool. Tu sais, tu vois, elle a pas mal pris. Moi, je viens de Paris et je commence un peu à en avoir marre de cette attitude tout le temps énervée, tout le temps ici. Sérieusement, les gens, ils sont énervés. T'as des racailles partout maintenant. Là, je suis tombé sur une racaille, mais tu sentais qu'elle débutait. Tu sais, le mec, il m'a regardé, il fait « Oh !» J'ai dit quoi? Il m'a fait « T'inquiète. » J'ai dit de quoi? Il m'a fait « Haha. » De quoi? Et quoi d'autre? Un bras. Bras. C'est tout? C'est tout. Tout le monde est énervé dans cette ville, je te jure. Même les pigeons, vous avez vu les pigeons quand ils marchent? Putain, fichu, j'en ai marre, ça me casse. Putain, mais ça me pète les couilles, ça. Non, quand il me parle, lui, là. Mais comment je veux. Sérieux? Les pigeons, tu vois, ils sont parisiens. Et j'étais à Pigalle l'autre fois, j'ai vu un pigeon, il était à poil, sans plume, il marchait comme ça. Et il m'a regardé, il m'a fait putain de poker. Sérieux, moi je les ai vus les pigeons en province. Les pigeons en province ils marchent, ils ont du style. Bonjour. J'ai même vu un pigeon, il marchait comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. À Paris, je m'en fous, j'en fais partout. Chaque matin. Sérieux, même le pigeon, tu vois, tu peux pas lui faire peur. En province, tu t'approches du pigeon, il te voit, il vole. T'as vu un pigeon en Paris? Tu lui fais ça, il fait qu'est-ce qu'il y a? Sérieux, ils sont tous gros nos pigeons, en force de manger des morceaux de kebab qu'on laisse par terre, des morceaux de frites. T'as vu comment ils ont leur bite comme ça? Ils regardent. L'autre fois j'ai vu un pigeon, il a essayé de décoller. Ouais, je peux le faire. Ok. Oh, on va prendre un Uber, ça va être plus simple. Ouais, en tout cas, ce que j'aime, c'est la province. Et les gens sont tellement gentils, tellement agréables. J'ai été joué à Chaumont, je connaissais même pas Chaumont pour te dire. J'ai tapé sur Google Maps, il m'a fait. Quand je suis arrivé, il y a un mec qui est sorti d'un réunion, il m'a dit hey, cache-toi, il y a les Allemands. J'ai dit mais elle est finie la guerre. Oui, personne ne prévient à Chaumont, alors. Non, mais c'est bon, quoi. T'arrives, il y avait écrit bienvenue à Chaumont, tu faisais trois pas, vous étiez à Chaumont. Oh!
Sérieux, c'est le genre d'endroit où tout le monde tease. Je me suis fait rater par les filles, je dis bonjour, excusez-moi, vous avez bu? Non? Eh bien buvez! Les gens de province, ils sont tellement joyeux. C'est ça, cette tournée m'a fait apprendre la France, elle m'a fait apprendre à l'aimer, à voir sa diversité partout, dans toutes ces régions. Les gens sont incroyables. J'ai été même jouer en Corse. La Corse est magnifique. J'avais pris la compagnie Air Corsica. Et j'ai un moment, j'ai eu un souci avec la ceinture parce qu'elle voulait pas s'attacher. J'ai dit, excuse-moi, j'ai un problème là, il y a la ceinture qui veut pas s'attacher. Et pourquoi faire? Eh ben, je sais pas si on explose. Oh, tu as des infos? J'ai joué en Suisse. Il y a des Suisses ce soir? Sérieux? Vous êtes Suisse? Comment je vous déteste, les Suisses. Mais ils ont trop d'oseille. Si on doit dépouiller des mecs ce soir, c'est eux deux. On va se faire de l'oseille. Ferme la salle. Ils ont trop d'oseille, ces enfoirés. Je vous jure, j'étais à Genève, il y a un mendiant, j'ai eu pitié de lui. J'ai une pièce de 2 euros, il me les a rendus, mais de 10 francs suisses, il m'a dit courage. Courage. La Suisse, hein. Ouais, je me suis fait agresser là-bas, c'était cool. Il y a un mec qui m'a volé mon téléphone portable, après ça, il s'est mis à courir. Je me dis, excuse-moi, c'est à la fin de 5? Non, non, pour une D6 ou D7 quand même, faut pas. J'ai même mis ma carte de crédit dans un distributeur suisse, elle est ressortie en pleurant. Ils s'en moquaient de moi. Ouvre une fiche de paye en Suisse, pour voir la différence. Il y a un halo lumière, t'entends. Alléluia. Ouvre une fiche de paye en France. Ouais, voilà. C'est toi qui me donnes de l'argent. Ouais. Ça, j'ai même été joué ce qu'on appelle en Suisse du Moyen-Orient. J'étais joué au Liban. Extraordinaire, le Liban. Waouh. Eh, on dit que les Portugais sont pas lus. C'est faux. C'est les Libanais les plus volés au monde. Le mec, il marche, on dirait un buisson. Eh, tu jettes une clope, il prend feu. Pouf, épilation. Les femmes sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont refaites? On dirait un épisode de Nip Tuck. Moi, j'ai su qu'on était au Liban dans l'avion, j'ai regardé par le hublot, il y a nos yeux qui me fait. Bienvenue au Liban. Exceptionnel. Incroyable. Et puis après, cette tournée magnifique, elle m'a ramené en Afrique et au Maghreb. Et j'ai commencé par ce pays magnifique qui est l'Algérie. Qu'est-ce que c'est? Sors le drapeau, Khadija. Ça fait 4 jours que je ne l'ai pas sorti. Pourquoi tu l'as tout le temps avec toi? Parce que c'est comme ça. Ça va les Algériens? On vous aime, on vous apprécie. Mais votre pays, il est magnifique, extraordinaire. Mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes schizophrène de schizophrène. Mon cousin, ça va, hein? Trop heureux aujourd'hui. Il y a une bagarre là-bas. Je vais les taper tous les deux. Il est tout le temps énervé, mon cousin. Je te jure, énervé, il peut pas s'arrêter. Même quand il dort, tu sens qu'il est énervé. J'ai dit, pourquoi t'es aussi nerveux comme ça tout le temps? C'est pour pas que je montre que je suis gentil. J'ai adoré le Maghreb. J'ai même été joué en Kabylie. Hein. Oh, les Kabyles. Oh. Oh là là, c'est les Pokémon du Maghreb. Ah, ils ont des robes, on dirait un manga. Ils ont des prénoms, on dirait une chanson. T'appelles comment? Ah, c'était le mec d'Akiri. En tout cas, le Maghreb, c'est fabuleux. Les gens sont incroyables. Les gens sont dingues. J'étais joué au Maroc. Eh, pays de mes origines. Merci. Le Maroc, c'est fantastique. Les gens là-bas sont croyants, tu sens. J'ai vu un mec qui marchait à Casa comme ça dans la rue. Je lui fais quoi? Elle m'a dit, j'écoute mon MP3. J'ai dit, t'as pas d'MP3? Elle m'a dit, dans ma tête, MP3. J'ai même vu un devant un distributeur automatique, il embrassait sa carte de crédit. Bismillah, alhamdoulilah. J'ai dit, tu fais quoi? Il m'a dit, j'ai plus d'argent sur mon compte, mais Inch'Allah, il va trouver Inch'Allah. Là-bas, vous avez déjà conduit? C'est un open space. Tu sais, chacun fait ce qu'il veut. Quand déjà t'es dans le taxi, t'es comme ça. Ça passera pas! Ça passe! Attachez votre ceinture! Mais y a pas de ceinture! C'est pour rigoler! J'aimerais savoir comment ça se passe l'examen du permis. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui monte dans la voiture? Il démarre la voiture, coupe le moteur, félicitations, vous avez le permis. Voilà, du premier coup, hein, sur le démarrage. Ouais, oui. De toute manière, on n'avait pas d'essence, c'est pas la peine de démarrer.
C'est extraordinaire là-bas. Hey, ce qui est extraordinaire là-bas, c'est la gastronomie chez nous. Waouh, t'es vrai, la gastronomie est incroyable, je te jure. Hey, déjà rien que nos pâtisseries. Oh, tellement sucrées qu'elles clignotent. Diabète, 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 diabète. Là-bas, les guêpes, elles volent pas. Elles marchent. Oh là là, il y a trop de miel dans le miel là. Le café, vous avez déjà goûté notre café là-bas? C'est pas du café, c'est du goudron. Tu fais tomber une tasse, ça fait un dodane. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout leur problème à l'intérieur. Sérieux, le café faut le boire tout doucement. C'est pour ça qu'ils le commencent le matin et le finissent le soir. Si tu bois cul sec, c'est pas bien. Moi j'ai un pote qui l'a bu cul sec, il a regretté. Pouf, bah dis ça va, m'a dit ça va. J'ai dit tu fais quoi? J'essaie de dormir depuis 4 jours. Sérieux, méfiez-vous la gastronomie. Moi par exemple, j'étais en Tunisie aussi. En Tunisie, c'est. Ah, merci la Tunisie. T'as vu, je vais faire tout le Maghreb. Hein. La Tunisie, c'est exceptionnel. Hein. Waouh. Waouh, la Tunisie. Tiens, tu sais, moi j'avais fait une date juste après le printemps arabe. Et on a eu un souci dans l'avion. Et le commandant fait. Ici, Capitaine Richard de la T780. Je demande une autorisation d'atterrir sur l'aéroport de Tunis-Carthage, s'il vous plaît. Allô? C'est qui? Captain Richard, la T780 pour une autorisation d'atterrir. Ah ouais, mais là, il y a personne, là. Ah, faut faire des métaux, tu te mets en warning, t'attends, hein. Mais vous êtes qui? Moi, je suis la femme de ménage. Oh, tu me dis, tu manges bien, mais qu'est-ce que vous aimez épicé? Ils mettent du piment partout. Je demande un pain au chocolat et du piment dedans. Tu le manges, tu pètes. Pff. En deux pains au chocolat, pouf, vers l'infini et au-delà. En fait, si je vous parle de gastronomie, c'est pour vous dire que si vous êtes dans ces pays-là, faites très attention à la digestion. La digestion est différente. Mais c'est pas la même qu'ici, quoi. Tu vois, la digestion, elle prend son temps, mais des heures, elle se balade dans ton corps. Là-bas, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut te prendre en traître. Sérieusement. Toi, tu manges et... Ça va, John? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vient de sortir. Et alors? Ben, c'était pas prévu, en fait. Tu fais quoi? Ben, je vais rester assis. Tu passes toutes tes vacances comme ça. Pousse pas, ça va sortir. Pousse pas. Pousse pas, je t'en supplie. Le premier truc que tu cherches, c'est pas la plage. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est l'urgence, je vais pas tenir. Toi, t'ouvres les toilettes et là, t'as le deuxième effet qui se coule. Excusez-moi, ils sont en travaux, les toilettes? Ben, il manquait un siège. Parce que là, il y a deux choses faites, il y a un trou creusé par terre. Et toi, tu sais pas comment que ça marche, tu vois? J'ai dit, comment ça marche? Tu te mets accroupi, ça va sortir tout seul. Mais toi, la première fois que tu vas, comme t'as pas confiance, tu vas en rappel. Et là, faut viser. Mais le trou, il est trop petit. Et là, tu vois que tu commences à glisser. Tu t'accroches au carrelage. Faut pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Oh, 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 il y a la ceinture qui touche. Et tu commences à te relever. Hop, oh, hop, oh, c'est bon. Et là, tu glisses. Moi, au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'en ai eu marre. J'avais mal parti. J'ai dit stop. Je me suis mis comme ça. Comme ça. Oh, plus d'unité. Mon taf. Oh. Et quand t'as fini, tu te mets à pleurer. Je mérite pas ça quand même. Et là, tu cherches le papier toilette. Y'a pas de papier toilette. Y'a une bouteille d'eau toute fripée qui te regarde. Mais la chose sur laquelle vous vous méfiez, c'est la chasse d'eau. Si j'ai un conseil à vous donner, tirez et courez le plus vite possible. Là-bas, c'est un tsunami. Si tu restes à côté, tu pars avec. C'est pour ça que vous voyez souvent écrit sur les portes Karim 95, Jean-Michel 69. Ça, c'est les mecs qu'on a perdus, qu'on n'a jamais retrouvés, ça. Mais Paris, Paris, c'est pas ça le pire. Le pire là-bas, c'est pas la position, c'est pas la chasse d'eau, c'est pas le papier toilette, non. Le pire là-bas, c'est la porte. Parce que la porte, il lui manque un tiers de la porte. Ce qui veut dire que la porte, elle t'arrive là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Ta gueule, attends, je fais ça.
Ça veut dire que quand il y a un mec qui rentre, il sait que t'es là. Et toi, tu sais qu'il est là. Ce qui veut dire, dès que tu rentres, t'es comme ça. Hein. Mais là-bas, au bled, ils sont trop curieux. Dès qu'ils te voient, ils font, ça va? Alors, tu dis où, toi? Ah, la France, ouais. Ah, ouais, je connais. J'ai de la famille à Paris. Tu connais Argenteuil? Argenteuil. Essuie-toi. D'accord, j'ai de la famille. Ah, c'est beau Paris, là, là. Oh, t'as fait une tour Eiffel. Hey, je viens de jouer ce sketch là dernièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et véridique, c'est une histoire véridique. Il y a un ministre. T'es ivoirien, mon frère? Où ça? Oh, mon frère, tu es où? Ah! T'appelles comment? Alexandre, en Côte d'Ivoire, excuse-moi, je fais une aparté. Vous avez des proverbes? Je comprends jamais rien. Oh! C'est le baba qui a mangé le cul du serpent, c'est lui qui avait une télé. Quoi? Toi-même, tu sais, si le lion est tombé, c'est que la girafe était debout. Le ruisseau avance, mais la rivière est déjà passée. Et véridique, un ministre ivoirien qui est venu me dit: Jan, le sketch là sur les toilettes, je ris. J'ai beaucoup ri. Ça m'a rappelé même mes aventures. La semaine dernière, j'étais dans la brousse. Ah, j'avais mangé du poulet épicé. Mon cul tapait le djembé. J'ai demandé au gars, j'ai dit: où sont les toilettes? La dame m'a dit: les toilettes sont dehors. Dis où dehors? À gauche, à droite, libre service. Mais monsieur le ministre, faut faire attention parce qu'il y a des bêtes sauvages. Oui, mais je suis ministre, mais eux s'en foutent. Que je dis que pour la première fois, je faisais caca, courir. Là-bas, la pire chose quand même, que franchement, on peut en parler, c'est les moustiques chez vous. Nom de Dieu. Le moustique, qu'est-ce qu'il est pervers. C'est normalement, je te pique une fois, je pars. Là-bas, il te pique. Moi, moustique, elle avait tellement kiffé que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il était allongé à côté de moi et fumait une cigarette comme ça. Et ma mère m'a dit, j'ai passé une soirée délicieuse, vraiment. Tu vois, Facebook, je vais te demander en ami. Seul moustique que j'aimais de tous mes voyages, je peux en parler ce soir, c'est en Thaïlande. Ah, vous pouvez y aller les yeux fermés. En Thaïlande, le moustique, il est cool. Hein. Il sait t'accueillir. Non, sérieux, c'est vrai. Hein, t'sais. Déjà, le moustique, il t'attend dans ta chambre. Il met des encens, des bougies. Il met une petite musique douce. Il est en nuisette. Il a hello, samadikam. Excuse me, your lady, oh boy. Ah, surprise. L'autre fait Starfullah. T'as volé une Twingo. C'est incroyable ça. Tu fais peur à tout le monde avec ton verre. En tout cas, je vous parle d'insectes, mais j'ai une vraie phobie des insectes. Je vous jure, moi, je vois une araignée, je quitte mon appart. Ah, je supporte pas les insectes. Ça me... mais paradoxalement, ça, j'adore les reportages sur les insectes. Voilà, parce que ça me fascine, vraiment, je suis fasciné par ça. Et je veux dire, parce que dernièrement, je regardais un reportage à la télé, et il montrait le nombre de morts qu'il va avoir à cause des piqûres d'insectes en Australie. Tu sais, moi, j'étais là, j'étais, waouh, l'Australie, c'est incroyable et tout. J'étais vraiment happé par le reportage. Mais la personne la plus impressionnée, c'était pas moi. C'était ma mère qui était assise à côté de moi. Je dis, oui, l'Australie, oui. Tu te fais piquer, tu meurs, oui. Là, elle a bloqué. Elle s'est tournée vers mon père. Ça serait bien que t'aies une Australie. Tu te fais piquer, tu crèves, Inch'Allah. Je dis, maman, arrête, tu crèves. Tais-toi, faut qu'il crève avec sa gueule, là. Qu'est-ce qu'il est moche. Elle va crever. Toute l'année, il me parle, on dirait, fait le ramadan toute l'année avec sa gueule, là, tellement il pue. Toutes les nuits, moi, je dors avec lui, toutes les nuits, il ronfle.
Inch'Allah, tu crèves, Inch'Allah, tu crèves, Inch'Allah, tu crèves. Qu'est-ce qu'il y a? Juste enfin un cauchemar, crève. C'est rien, il pleut de ton cauchemar. Attention, il y a un dodan, crève avec ta gueule là. Il est moche. Même la chef, quand elle est partie avec lui, elle m'a fait. Elle va crever, hein. L'autre fois, il est venu, il m'a dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, j'ai failli mourir. Dans ma tête, tu peux pas faillir. Il faut mourir. Il m'a dit, je roulais comme ça, avec la voiture, j'ai voulu freiner, il y avait plus de frein. Je dis, comme c'est bizarre. Va crever avec ta gueule, là. Quand on marche dans la rue, les enfants vont, oh, Halloween, c'est sa gueule, Halloween. Va crever, Inch'Allah. Il est moche. Il a des dents en cuivre en aluminium. Inch'Allah, il y a un rhum qui te les prend et part avec. Avec ta gueule là. Et l'autre fois, j'ai appelé la police pour ton père. Hein. Gallo, vous cherchez Osama Ben Laden? Il est là. Et tu fasses voler de traîner dans toute la maison. Ma chérie, mon amour, va crever à Guantanamo. Avec ta gueule là. Lui croit qu'il est beau. L'autre fois, il était torse nu dans la chambre, je dis, regarde comme je suis beau. Je dis, éteins la lumière et la tête, bon. Avec ta gueule, là. Même les moustiques, ils veulent pas le piquer. L'autre fois, le mystique, il l'a vu, il est reparti en décollant. J'ai quoi, il m'a dit, non. J'ai acheté un pitbull pour ton père, un gros pitbull, hein. Ah oui, je l'ai acheté, j'ai dit, mords-le. Quand tu l'as vu, il s'est mordu lui-même. Elle va crever, Inch'Allah. Même le médecin, il veut plus l'ausculter. Il me dit, il me fait peur, et moi, il me fait pas peur. Trouvez-lui une maladie, un chikungunya, un zika, là. Donnez-lui en cachet, Inch'Allah. Elle va crever. Il a demandé sur sa carte vitale qu'il soit dedans. Ah, elle va crever, hein. Ah ouais, hein. Même moi, j'ai dit au docteur, trouvez-moi une maladie. Comment ça? Alzheimer, trouvez-moi Alzheimer. Mais pourquoi? Comme ça, je l'oublie pour toujours. Sa gueule, là. Il est moche. Mes copines disent, pourquoi tu présentes jamais? Mais va présenter toi-même. Avoir sa gueule, même moi je ne le présente pas moi-même. L'autre fois, elle m'a dit, oh là là, j'ai rêvé que toute la nuit tu mettais des coups de couteau. C'était pas un rêve. Il est moche. Ah oui. RMC Découverte, ils ont dit, va faire un reportage sur sa gueule. Il a bonne chance, hein. Ah, il est moche. Il est moche avec sa gueule, là. Tu rigoles, va voir sa gueule. Il a le même costume depuis 78. Tellement c'est un crevard. Ah, c'est un crevard, hein. C'est un crevard. L'autre fois, je lui ai dit, il faut m'acheter des lunettes. Il m'a acheté les lunettes les moins chères. Des lunettes de soudeur. Moi, avec mon foulard, les lunettes, on aurait dû une taupe pour marcher. Même pour mes dents, j'ai dit, faut me refaire les dents. Il m'a dit, d'abord, on va demander un devis au dentiste. Quand il a vu le devis, il fait, oh, non, mais c'est cher, là, quand même, là. Mais ce qu'il faut savoir, monsieur, ce qui fait monter le devis, ce sont pas les molaires, mais plutôt les canines. Eh ben, mettez-lui que des moulaires. Que des molaires, moi? Moi, que des moulaires? C'est ta gueule, le moulaire. Moi, je suis la vache qui rit, maintenant, hein, molaire. Inch'Allah, les caries sur ta gueule. Merde. Ah, j'ai mis une annonce sur ton père sur le banc, quoi. Ah ouais, j'ai mis une annonce, j'ai dit gratuit, venez récupérer. Ils m'ont dit, il y a un bug sur la photo. C'est sa gueule le bug. Sa gueule est un bug. Ah oui, hein. J'ai été voir un marabout, hein. J'ai été voir un marabout, hein. Et j'ai dit, vous pouvez éliminer mon mari. Il m'a dit, j'ai pas éliminé n'importe qui. Donnez-moi la photo. Ah, il m'a éliminé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais quoi? Avec ton père, on a eu de beaux enfants? Où ça? Vous? Non, vous êtes moche. Non, non, non. Ah, vous êtes mes enfants, je vous aime, mais quand même, hein. Ah, t'oublies une chose, c'est que ton père, c'était mon cousin. Oui. Attends, mais pourquoi ta soeur, quand elle marche comme ça? Tu crois quoi? Qu'elle est des Évreux? Ah, ah. Ah, je me pose, c'est pas bien. Comme on a eu des enfants, je veux même pas savoir. Ah oui, je les ai vus, les spermatozoïdes de ton père, c'est de la merde. C'est du lait en poudre. Ah, je m'en fous, je dis ce que je veux. Non, je dis ce que je veux, hein. On est en France, liberté d'expression. Mariage pour tous. Mariage pour moi aussi. Attends, de toute façon, je l'aime pas ton père, je m'en fous. Je dis ce que je veux, je m'en fous, oui, je l'aime pas.
Oui, j'en ai un autre, voilà, c'est tout. Comment il s'appelle? Victor. Victor Newman, des filles de l'amour. Quand je le vois, j'ai le foulard qui fritille. L'autre fois, j'ai rêvé qu'avec Victor, on était sur un bateau, tous les deux. On mangeait des fruits, j'avais fait un tagine, un couscous, des gâteaux. On était bien comme ça, et là, d'un coup, il s'est mis à crier. Oh là là, Richard, attention, derrière toi, il y a un monstre. Il s'est mis à courir, je me retourne, c'était ton père. Dégage, dégage de mon rêve. Dégage, qu'est-ce que tu fais? Nage pas ici, voilà. Victor, Victor, reviens. C'est mon mari. C'est que mon mari. Tu gâches tout. Ma vie, mes rêves. Regarde, même les requins, ils font marche arrière. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que quoi? Tu m'aimes trop? Hein? Tu m'aimes vraiment? Plus que tout? Oh! Pardon? Pour moi, t'es prêt à tout? Oh. Eh ben, crève! Crève tout de suite, là! Et Paris? J'ai une belle et grande nouvelle à annoncer ce soir, c'est que dernièrement j'ai vu mon père et ma mère marcher ensemble. Mais non plus en filature. Non, franchement. Non, ils étaient l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'ils se tenaient par la main. J'ai regardé ma mère, j'ai dit maman, j'ai dit ça y est, tu l'aimes papa? Elle m'a dit bien sûr que je l'aime. J'ai pas le choix de pas crever. Paris! Ça va toujours Paris? Paris, vous êtes toujours chaud? Ça va toujours, ça va les Indiens? J'arrive. Il y a des Turcs ce soir? J'adore les prénoms turcs. Ça se finit que par Ur. Gulgur, Mulmur, à la rigure. Comment s'appelle ta femme? La vie est dure. J'adore les prénoms, ça va toujours être. Tu sais, dans notre quartier, on se charriait quoi sur les prénoms. C'est le premier truc, hein. Surtout mes frères africains. T'appelles comment? Moi, c'est Joyeux. Mon frère s'appelle bien heureux. Dans la vie, on est malheureux. Je les adore, mes frères africains. Je vous kiffe. Hey, quand on parle de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une série incroyable là-bas. Ça s'appelait Inspecteur Abidjan. C'est un genre de NCIS, mais Abidjan. Je vous refais l'épisode. Il y avait un cadavre par terre, des badauds, des journalistes. L'inspecteur est arrivé très énervé. Il s'est approché du cadavre. Il l'a regardé. Il a mis un coup de pied et fait « Ce cadavre est mort. » Dites-moi, qui a tué le cadavre? Chef, le cadavre a été tué par l'assassin qui l'a assassiné. Chef, pour la déposition, comme les journalistes sont à côté. Pour trottoir, ça s'écrit comment? Hein? Trottoir, comment ça s'écrit? 3 1 4 T 3 O. Trottoir s'écrit comme trottoir, bien sûr. Oui, mais 3 1 4 T 3 O. Il est mort sur la route. Et c'est là, je me suis dit, mais pourquoi on voit pas nos frères africains dans les grands films? Sérieusement, moi qui trouve qu'en 2007, ça manque de diversité en France à la télé, pourquoi on les verrait pas? Par exemple, moi je suis fan de Star Wars. Vous imaginez si dans Star Wars, il y a eu des Jedi africains? Sors ton sabre laser. Mon sabre laser, je l'ai vendu. Pourquoi? Pour acheter chaussures Coco, pantalon Gucci, chemise fait sachet, poupée équilibrée. Tu vois que ça marche? On se fait un petit délire comme ça. On refait tous les grands films. Sérieusement, mon pote Teddy Riner qui est là, mes frères Antillais, on vous voit pas assez à la télé. Et puis on vous kiffe les Antillais, parce que vous êtes tout le temps cool. J'ai l'impression que dans votre tête, il y a une chicha géante. Vous vont dire, hé, Jean-Baptiste, cours, il y a un incendie. Ok, je cours. Tout est cool. T'imagines toi aussi des combats au sabre laser s'il y avait des Jedi Antillais? Oh, je suis crevé là. Vraiment, j'ai tout donné, tout donné. D'Armandan entier. Luc, je suis ton père. Quoi? Il a dit, je suis ton père. Et ça veut dire, j'ai sorti mon sabre laser. Et j'ai zouké ta mère. Oh, j'aurais du côté obscur. Ça manque de diversité, franchement. Tu mettais plus de blagues, de frères antillais, de frères indiens. On vous kiffe, les indiens. Vous êtes tellement cool. Avec votre coupe Jack de sang, je m'en vais. Hello, my friend. Ce petit point rouge ici, on dirait un interrupteur. Des fois, j'avais d'appuyer pour voir ce qui se passe. J'ai l'impression que le point rouge, c'est Google Maps. Vous êtes ici. Et dès qu'on vous tire dessus, vous chantez.
pas. Et là, t'as tout le village disant oh my chouche. Et là, t'as la femme oh my chouche. Il n'y a pas de dialogue. Je vais vous faire une heure et demie de Bollywood. Vous êtes extraordinaire. Moi, il y avait une émission à laquelle j'avais participé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Interville. J'ai vu une équipe de Rebeux. C'est que des équipes de Saint-Jean-de-Luz, Saint-Raphaël. Et j'ai vu des équipes de Goussainville, Mantes-la-Jolie. Avec des Rebeux. En plus, pour les faire courir, les Rebeux, tu lâches pas des vachettes. Tu en lâches des cochons. Oh non, on va pas. Il a failli te toucher. Il est trop dangereux, ce jeu-là. Alors, regarde, le cochon, il fait des clins d'œil, ce bâtard-là. Ça manque de diversité. C'est vrai, ça manque de blagues, de rebeux, de chinois, d'antillais, de pakistanais. Mais ça manque aussi surtout de portugais à la télé. Sérieux, tout le monde vient me voir aujourd'hui. Tiens, toi qui les connais, pourquoi ne voit-on pas plus de portugais à la télé? C'est parce qu'on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Sérieusement, moi j'ai plein d'amis portugais que je disais, hey, ça vous dit de faire un karaoké? Hey, vous avez déjà vu quand ils se mettent à chanter? Mais tu pleures! Alexandrie! Alexandra! J'ai plus de petit comme Burukuda! Burukuda! Bourdel! Quand on rentre le piste! Le monde entier est tout le coup que touche! Jigit! Il s'appelle Jigit! Mais là où je pleurais encore plus avec mes potes portugais, c'est quand on allait au McDonald's et qu'on allait au drive et qu'ils prenaient une commande. Mais tu pleures deux fois plus. Bonjour madame, je venais une monobistouf, une menu mexicaine avec une sauce barbecue, mettez-moi du caoutchouc et une chaude de courumel, mais sans le coucouette, j'aime pas le coucouette. Mettez-moi aussi une poupée mille. Hein, quoi? Une poupée mille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la petite boîte avec le petit jouet au corail. Demande-leur aussi des patatos. M'attachez des grosses frites. Alors vous imaginez si on mettait un portugais dans une série, un hold-up, et essayer de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, pa, et tout le monde m'a sur l'outerte. C'est moi qui nous piche tout l'air. Arrêtez de fiche ma joule là. J'ai pas une caméra cachée là, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles toi, tu rigoles, tu fiches ma gueule, comment tu te pelles? Comment tu te pelles? Moi c'est Mohamed, écoute-moi, Mohamed. Attention, Mohamed, je suis dangereux comme un Terminator. Terminator. Le film avec une chose de gourde, tu l'as pas vu? Attention là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Deux minutes là, qu'est-ce que tu fais là, caray? Lève-toi, j'ai dit. Comment tu te pelles? J'ai dit, comment tu te pelles? Moi, c'est Bernadette. Écoute-moi, Bournoudette. Arrête de pleurer, Bournoudette. Non, c'est parce que je panique. Faut pas paniquer. Personne n'est pouponique avec José. Monsieur Calves, ne bougez plus ici, le GIGN. Où je prends les poupettes? Du JUJM. Non, GIGM. JUJM. Bon, monsieur Calves, arrêtez vos conneries, il y a des tireurs d'élite sur le toit. Ah, des tireurs d'élite? Non, enfin, des snipers. Ah, des snipers? Bon, monsieur Calves, maintenant, calmez-vous et dites-nous quelles sont vos revendications. Ah, je vole le coup de terre. Un quoi? Ou nous le coup de terre. Un quoi? Ou nous le coup de terre, carré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tourné avec deux jolies. Quoi? Vous voulez un Kinder Delice, c'est ça? Mais non, j'ai déjà vendu le compteur! Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez appeler le mot? Ouais, Oulu Coupouter.
vois que vous aimez mon hommage au portugais, alors on continue. Vous avez déjà vu un Portugal, Laura Merlin, t'as l'impression qu'ils sont en Disneyland. Oh la carrage du carrage, Maria, Maria, prends ma photo, la carrage, je le mets sur Facebook. Donne-moi la trouelle. Vous avez déjà vu quand ils prennent un prospectus de Castorama, on dirait un magazine porno pour eux. Oh la carrage. Une vicheuse, des vicheuses en promotion, je vois pas tenir, je vois pas tenir. Vous imaginez si dans Titanic il y avait que des Portugais? Mais le film aurait été totalement différent. Ouh la catastrophe, capitaine, capitaine, on vient de taper une iceberg, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le bateau coule. Mais calme-toi, caray. On voit Carlos qui ne fait rachouder, va le réparer. Le film aurait duré 5 minutes. De toute façon, tu mets un Portugais dans n'importe quelle émission télé, tu changes l'émission. Par exemple, si on remplaçait Valérie Damido dans M6 Déco par un Portugais, c'est plus la même émission. T'auras les candidats qui seront là. Bon, on a préparé une valise, on part pour une semaine. Une semaine? Arrête ton connerie, tu reviens cet après-midi, moi je termine. Oh. Même à Koh-Lanta, tu mets un Portugais à Koh-Lanta, c'est lui qui gagne, c'est sûr et certain. Tu vois, oh là là, Philippe, là, que je te fais avec la machette? Avec la machette? Eh ben, j'ai coupé des branches pour faire une cabane pour le mettre à l'abri ce soir. Fallait y penser. Arrête de conneries, il y a du charbon, il y a de l'eau, je te fais du ciment sur tout le monde, tous mes gens. Pareil. Hey. Les Portugais, vous êtes incroyables, formidables. Les Portugais voyagent, visitent le monde. Vous imaginez, vous, des Portugais pour la première fois en Italie devant la tour de Pise. Qu'est-ce que c'est que ce connerie, là? Qu'est-ce que c'est que ça, Carlos? Le bâtiment a une torticolite? Ramène-nous les chabots, on va leur remettre la semaine. Vous imaginez, vous aussi, des Portugais pour la première fois quand ils arrivent devant la tour Eiffel. Oh, oh là là! Regarde, Carlos! Les Français n'ont pas terminé leur travail! Ils ont fait que l'armature! Nous, les Chinois, nous avons fait la muraille de Chine. Oui, plus beau monument du monde. En combien de temps? En 1000 ans. 1000 ans pour faire une mur! Pareil de Chinois. Mais là, j'aimerais voir des Portugais, c'est en Égypte, devant les pyramides. Vous imaginez, vous? Oh là là, regarde, Carlos, c'est le pyramide. C'est le pharaon qui nous fait. Le pharaon, tout que monte, tout que monte. Je suis qui marque comme ça en biette, là, tu sais que le... C'est lui qui l'a fait, regarde. Du pyramide, coup de pierre, 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 coup de pierre avec du pierre. C'est joli, mais bon, quand même, on peut mettre une fenêtre, une verrue que je peux respirer. Ah bah, c'est chou, c'est du travail d'arabe, ça, c'est chou, ça. Je voulais rendre un grand hommage à M. Goncalves, c'est le personnage dont je m'inspire. C'était mon voisin, un type formidable, gentil, incroyable, vraiment. Et puis un grand enfant, il faut savoir qu'il adorait les Walt Disney. Dès qu'il y avait un Walt Disney, il fallait qu'il soit le premier à l'acheter. Une fois, il est venu surexcité devant moi, il m'a regardé, il m'a dit « Regarde, Jean, j'ai lancé un nouveau DVD de Walt Disney, je sais quoi le titre ?» Il m'a dit « Routoutouille !» Une fois, je l'ai même surpris en train de laver sa voiture, je chantais « Akuno Mututa, quel chant fantastique !» Il adorait ses enfants, il jouait tout le temps avec eux. Pas je joue avec eux, hein. Akushkash, Kulumoyat, Piki Piki Golegram, Buri Borototum. Je leur chante des chansons tous les soirs. Monier, tout dort, réveille-toi du travail sur le chantier. On y va. Il leur avait même acheté un chien. Ouais, il leur a acheté un chien, il l'avait appelé Pikachu. J'ai dit Pikachu? Comme les Pokémon? Il m'a dit non, comme le peintre, Pablo Pikachu. C'est con, lui. Il est extraordinaire, extraordinaire. Monsieur Goncalves était extraordinaire, toute sa famille était extraordinaire. Je jure, jusqu'à sa femme Maria, ils étaient amoureux, mais tout le temps en train de se balader, main dans la main. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se prendre en photo à chaque fois. Allez chérie, on fait une selfie, une petite selfie. Hé, à trois, tu dis oui, je t'étite, mon amour. Hein? Un, deux, trois, oui, je t'étite. Maria était formidable, elle était comme lui, gentille, adorable, et puis elle travaillait. Elle travaillait dans un grand supermarché. Elle était devenue chef de toutes les hôtesses d'accueil. Et c'est elle qui avait la responsabilité de dire les messages au micro. Respirez, respirez. Jean-Baptiste demande à la couille, Jean-Baptiste demande à la couille. Non, non, on dit l'accueil. La couille. Ici, c'est moi la responsable de toute la couille. Hein. Même mon mari m'a dit t'as la plus belle la couille de tout pourri. Et c'est même elle qui faisait les annonces promotionnelles.
Aujourd'hui, la promotion sur le Booby Bell et le Choucoupic. Mais parfois, vous pouvez bugger sur certains mots. Excusez-moi, madame, pourrais-je avoir le responsable du ronquet Kairi? Ça, c'est pas facile, ça. Vous voulez dire responsable du rayon bricolage? Non, non, Kairi. Ah, caray. Ça veut dire quoi? T'es gentil. Mais c'est pourquoi, en fait? Non, j'ai besoin de renseignements. Faudra l'appeler, s'il vous plaît, parce que je suis un peu pressé. Ah, je vais le faire, c'est bon, là. Le responsable du rayon coco, caray, rythme de la couille à la couille. Et vive le pot!